Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc voici la deuxième partie de J'ai pas le temps, je suis surbookée. Alors cette partie-là concerne les personnes qui ont du mal à s'organiser. Donc le temps, pour moi, mais ça reste ma façon de le voir. Le temps est un faux problème. Quand on est surbooké, forcément, on a un problème de gestion de temps. Ce n'est pas qu'on n'a pas le temps de faire ci ou de faire ça, c'est qu'on n'a pas compartimenté, on n'a pas organisé les choses et on n'a pas choisi ce que l'on voulait ou ce que l'on ne voulait pas. On est sur un positionnement, une posture. Et là, si on ne fait pas ça, le risque, c'est d'avoir trop de travail, de ne pas se poser des limites en termes d'horaire, de passer du temps à faire des choses qu'on aurait pu soit déléguer à quelqu'un d'autre, soit laisser l'autre faire puisque c'est son rôle, c'est sa place. Il y a aussi des juxtapositions de place et de rôle. Toutes les choses ne sont pas bien carrées, calées. Et on a encore, comme la vidéo précédente, j'en ai parlé, un problème de limite, un problème de choix. Donc forcément, ça pose aussi des problèmes de santé sur le dos, sur le corps, et aussi de charge mentale. Alors, c'est comment s'en sortir, c'est où je mets mon temps, où je mets mon énergie et qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de moins faire, qu'est-ce qui me plaît plus, qu'est-ce qui me déplaît plus. Après, il y a forcément des choses dans la vie qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'il faut faire. Et c'est aussi se donner ce temps-là. Je prends, je ne sais pas, 20 minutes par semaine pour faire ce temps-là ou dans le mois. J'aime pas le faire, mais je suis obligée de le faire. C'est comme ça. Après, si, voilà, c'est aussi choisir son temps, compartimenter son temps. Et faire des choix en termes d'activité ou de public. On ne peut pas être sauveur, on ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas aider tout le monde. Donc, à un moment donné, il faut cibler certaines personnes, certaines activités. Et si, par exemple, si j'en ai entendu parler souvent, des personnes qui. Des fusions de postes, c'est-à-dire on donne l'activité. Qui correspondait à deux personnes, à une seule personne, mais si cette personne ne se positionne pas en termes d'activité, forcément elle va être surbookée, puisque le temps, l'activité de deux personnes, ne va pas pouvoir le faire une personne. Donc à un moment donné, c'est se positionner et dire voilà, moi j'ai tant de temps, il n'est pas exponentiel, voilà, donc je veux faire l'activité que vous me donnez, mais je ne pourrai pas tout faire. Donc, il y a une partie, je ne peux pas faire ça, vous débrouiller, vous donner cette activité à quelqu'un d'autre. C'est aussi être ferme. Voilà. Et pourquoi il faut être ferme? Ben, pour se respecter soi, pour respecter sa santé, son état émotionnel, physique. Et voilà, donc si on ne s'écoute pas, c'est le corps qui va nous parler. Et le corps, là, il va être à un moment donné, il ne va pas vous poser 36 000 questions, ça va être radical, ou alors progressif, et des douleurs, et des douleurs, et des douleurs, on n'a pas finir, et vous n'aurez plus le choix que de vous écouter. Mais à quel prix? Donc, si on peut éviter ça, ça serait bien pour la santé de chacun et pour le respect de chacun et que chacun soit à sa place.
À bientôt. Et si vous avez besoin de conseils, d'aide pour votre positionnement, pour vous aider dans votre organisation, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt.